Et du coup, nous revoilà. Nous ne sommes pas partis. Bienvenue sur le dernier épisode de BioShock 1 Remastered, le terrain d'essai. Donc, nous allons devoir protéger une petite sœur qu'elle récolte de la dent sur trois corps. Et ainsi, elle nous ouvrira la porte de l'antre de Frankfontaine. Et nous allons pouvoir l'arrêter. J'ai bien envie de la tuer, mais non, bref, on va la tuer. Allez, la petite. Alors, par contre, voilà. Donc, en fait, nous allons. Voilà. Donc, tac-tac. Notre Vita Champ est ici. Et voici, nous allons faire un petit circuit en fait. Je vois des anges qui dansent. Par contre, ça me fait peur un peu, c'est que je vois pas le chiffre de seringue Dave. J'espère que le jeu n'a pas bugué. Voilà. Nous voilà dans le terrain d'essai, donc on peut voir des crocs. Il y a des anges qui veulent un bisou. Ah oui, non. C'est un autre protecteur qui est avec la petite sœur. Oh non, monsieur P. Les anges aiment pas les crocs. Voilà, monsieur P en bas, il est mort. Et du coup, nous allons faire notre petit circuit. Donc on voit vraiment que il la faut petite y sœur. Aller, monsieur P. C'est vraiment. J'aime bien, c'est. Enfin, je trouve. En plus, dans l'épisode 2, dans BioShock 2, ils ont refait ce système-là, puisqu'on est vraiment un protecteur dans le 2. Et ça montre vraiment que bah, les petites filles, même si comme Atlas l'a dit, ce sont des monstres, et ben bah, en fait non, c'est pas du tout des monstres. Non, elle a pas des dégâts. Ah bah oui, mais mince. Mon placide lui fait faire des dégâts. Il faut y aller, monsieur P. Je vais pirater comme ça les caméras vont m'aider. Allez ma petite. Et du coup, premier cadavre. Nous allons devoir. Nous allons devoir les protéger. Une petite mine. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Voilà, donc en fait, même si, vous voyez, c'est une vieille, c'est une petite fille, n'est plus en premier, elle est quand même, conditionnée pour récupérer de la dent sur les cadavres, même si, techniquement, elle ne devrait plus. Il y a des anges qui veulent un bisou. Les tours, elles vont faire le boulot. Aïe! Mal! Je vais vous suivre. C'est possible. Quel tu vas mourir, toi? Voilà. On va te récupérer. Si fois 2 égale 6 tours, oh non. Allez, allez, monsieur P. Voilà, donc notre premier cadavre est fait. Nous allons la suivre pour faire notre deuxième cadavre. Il faut y aller, monsieur P. On va pirater cette caméra-là. On va nous aider et pirater ces robots. Allez, on va prendre les tourelles également. Tu touches pas ma petite sœur. Ça c'est parfait. Il y a des anges qui veulent un bisou. On entend les tourelles au fond qui sont en train de. Ah, ça me tue. Il y a
Et si elle meurt, notre cher petit, notre cher Daniel Bone va nous culer dessus. Car, bah, le but est de la protéger. Sujet numéro 2, terminé. Et alors là, par contre, ça va piquer sévère, monsieur Daniel. Là, ça pue. Ça a pué, messieurs dames, parce que regardez, vous avez entendu comme moi qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, c'est un monsieur P qui va nous embêter. Là, le monsieur P, il va venir. Allez, allez, monsieur P. Sérieusement? Non, elle est morte. Elles n'ont plus d'adam dans le corps et sont aussi vulnérables que les autres enfants. Oh non. Par contre, j'avais plein de seringues d'adam. Il m'a... C'est quoi ce bug? Ouais, bah ouais, bah j'ai perdu tout mon Adam, je suis deg. Enfin, tout mon Eve. Roland, monsieur P. Je suis dégoûté. Allez, monsieur P. Avance. Pas de temps à perdre. Oh, j'ai pas d'Eve, ça va être tout le bordel. Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Ça va être compliqué là. Tu vas m'aider. Là, on a. Donne-moi de là-dedans. Mais tu bloques. Mais arrête, tu bloques. Il y a fait. Des anges qui veulent un bisou. Allez. Tu veux où? Oh non, monsieur P. Les anges n'aiment pas les gros ballons. Vite, vite, monsieur okay. P. Le Pathfinding, messieurs dames. Je suis dégoûté que... J'ai perdu vite, tous mes seringues. Là, par contre, ça va piquer. J'ai plus d'Eve. Et je sais ce qui arrive après. Les anges aiment pas les gros ballons. J'ai pas envie. J'ai plus de munitions. Vite, monsieur P. Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Ça. C'est un copain à moi. Ça pleut, monsieur P. Ça pleut. Vite, vite, monsieur P. Non, c'est pas le crozone que je vais enterrer. Roland, monsieur P. Les anges aiment pas les gros ballons. J'aime pas. Je suis prête pour le dodo, monsieur P. Il y a des anges qui veulent un bisou. Je vois des anges qui dansent dans le ciel.
m'occuper. Il y a des anges qui veulent un bébé. Oui, ben. Elle va tellement mourir, je vais lui faire engueuler par Tenenbaum. Il faut y aller, monsieur P. Mais oui, allez, avance. Il faut y aller, monsieur P. Oh non. Il n'est pas avec moi, c'est. Oh non, tout. Monsieur P. Les anges n'aiment pas les trop balais. Je suis prête pour le dodo, monsieur P. Je ne sais pas, parce que je sais ce qu'il va avoir. Allez, allez, monsieur P. Pas de temps à perdre. T'es écouté. Voilà. J'ai un cul. Mais non, non, non. Les gens n'aiment pas les trop balais. Recharge. Non, c'est bien, c'est que. Oh, j'ai récupéré tout. Il faut y aller, monsieur P. Déjà, il n'y a pas tué ma petite sœur, c'est parfait. Allez. Allez, avance, ma petite. Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Je reviens pas, quoi. J'avais plein d'oseringues d'Ève. Allez, avant. Vite, monsieur P. Voilà. Allez, monsieur P. Attends, je suis une minute. Trop de monsieur P. Déjà. Il y a des anges qui veulent induire. Ouais, je sais. Allez, ma petite. Voilà, donc elle va mourir la pauvre. Allez, monsieur P. Vraiment, c'est bon, là. C'est bon, on va arriver au boss. Oula, j'aime pas ça. Vite, vite, monsieur P. D'accord. C'est peut-être une dose énorme pour les travailleurs et les gratte-papiers. Mais j'en veux encore. Encore. J'en veux. Notamment. Ah oui. Voilà. Prenons. Alors, voici. Prenons des munitions, messieurs dames, car nous voilà arrivés au boss. On va prendre cher, je vais sauvegarder avant, puisque bien évidemment, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de vita chambre dans le coin. Et du coup, merci ma petite, nous avons récolté. Mon Ben t'attend maintenant, ça y est, c'est le point de non-retour. Vous êtes prêts, messieurs, dames, c'est parti. Le boss Fontaine, et c'était limite. Allez, on va y arriver. Et ensuite, on aura terminé le jeu BioShock 1. Nous voici. Ah, déjà, c'est bien, on n'a plus le corps, on n'a plus le casque. Vous aviez à peine 2 ans, oui. Vous étiez mon atout majeur. Mais aussi ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi. Voilà, il est impossible de sauvegarder pour le moment et il n'y a pas de vita chambre dans les environs. Si vous mourez, vous devez continuer à partir de la dernière sauvegarde enregistrée. D'où le fait que j'ai sauvegardé devant la porte. Mais j'ai pas envie de te recommencer le niveau. Et du coup. Bon, après, il sauvegarde. Et voilà. Notre cher Fontaine. Alors il a bien changé, hein, Franck Fontaine. Ce qui en fait, c'est monsieur s'injecte tout la dent de rapture. Venez-vous battre. Venez-vous battre. Mais ici, je dis, je vous ai, je fais pas beaucoup de dégâts, mais je prends pas les deux carreaux. Vous êtes un
Tu viens de me recharger les carreaux normaux. Voilà. On va le bourriner à l'arbalète, hein. Même si j'ai rechargé le poids d'armes, il n'y a pas besoin. Bourrons-le à l'arbalète. Et voici les trois phases de Franck Fontaine. Il suffit juste de le bourrer et d'y drainer la dent. On doit faire ça trois fois. Comment je... Venez vous battre! Vous croyez que je suis seul dans ce monde? Pour me protéger pendant que je recharge! Merci à Franck Rotten, ça pourrait pas être. Voilà, hein. Juste à brûler, gars. Comme ça je recharge. Et voilà. Plus qu'une phase, c'est bon. C'est bon. Là par contre, les petits gros hommes vont me sans le coup. C'est bien Franck, tu me touches dessus. Tu peux recharger s'il te plaît. Quoi? Reviens, mais ne te cache pas. Venez vous battre. Et voilà, le chef en fontaine est mort, monsieur dame. Il est mort. Et voilà, rayon choquin. Voilà, en fontaine va mourir dans pas longtemps. La cinématique. Je vous ai trahi. Je vous ai envoyé là-haut. Je vous ai fait revenir pour vous montrer qui vous étiez, de quoi vous étiez capable. La vie que vous pensez avoir vécue, je l'imaginais. Qui a imprimé dans votre esprit? Si ce n'est pas ça, famille, que vous faites-il de mieux? Et maintenant. Et nous voilà sauvés par les petites sœurs qui vont en fait lui portionner là-dedans. Jusqu'à la mort. Et du coup, voilà, toutes les petites sœurs vont nous aider. Ils sont quand même sévères, les petites. Hein. Pas trop envie de les embêter. Hein. Et du coup, voici une des deux fins de BioShock, la bonne fin, puisque nous avons sauvé les petites sœurs. Elles ont offert la ville. Nous récupérons la clé génétique de Rapture pour empêcher son autodestruction. Et toi, tu as refusé. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait à la place? Ce que tu as toujours fait. Tu les as sauvés. Voilà. Donc on retourne. Tu leur as donné la seule chose qu'on leur avait volée. Avec nos petites sœurs. Une chance. Qui vont une chance des d'apprendre. Et des ados. Des adultes. De trouver l'amour. De et vivre. Avoir des enfants. De fin heureux. Quelle a été ta récompense? Et voilà. À aucun moment tu ne l'as dit. Mais je crois le savoir. Ouais, nos sept, si je dis pas de bêtises. Une ah non. Nos cinq petites sœurs que nous sauvons. Et nous voilà sur le générique de fin. BioShock 2, créé par Ken Levine, qui créa ensuite BioShock. BioShock 1 créé par Ken Levine qui créera bien évidemment BioShock 2 et BioShock Infinite qui... Je les ferai peut-être sur la chaîne. Je... Normalement BioShock Infinite c'est sûr. BioShock 2 je ne sais pas. Donc on va faire le petit générique. Un avion, une phare. Un avion à phare.
comme dans BioShock Infinite, il y a toujours un phare, il y a toujours une fille, il y a toujours un homme. Et voilà. Il y a quand même eu pas mal de monde hein, sur le jeu. Je crois que le développement de mémoire a duré 4-5 ans à peu près. Donc voilà. Publié par 2K Games. Ils sont derrière les excellents bah, BioShock, également les Borderlands. Ils ont fait d'autres jeux de sport, je crois, si je dis pas de bêtises. NBA 2K. Alors, j'espère que ça va pas faire comme dans Rayman Origins. On met le générique et qu'après on a un nouveau générique qu'on peut détruire. Oula. Ah mince. Oh non, je l'ai passé. Mince. Alors, vous pourrez commencer une nouvelle partie en conservant les données, armes inventaires et éléments de recherche. Votre précédente partie terminée. Les 7 sont dans le premier nickel. Vous retrouvez le plasmide fortifié génétique. Non. Dommage, j'ai passé. Bon, je ferai les crédits en off, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, voilà. Donc on va visiter un peu le musée que je vous montre à quoi ressemblait. Donc ça, c'est que dans la version remaster, hein, bien évidemment. Donc voici donc les concepts. Nous allons voir tous les concept art et illustrations de Rapture. On peut voir que voilà, ceci c'était à la base les glaneuses. Hein. Donc ceci étaient les petites sœurs hein, à la base, comme vous pouvez voir. Hein. Il s'agissait des petites sœurs, je vais se rapprocher, hein, qui étaient donc les sangsues qui étaient dans les petites sœurs, mais vous comprendrez que ça n'a pas été gardé. Hein, ce n'était pas ouf. Alors ici nous avons nos protecteurs. Donc certains modèles seront réutilisés dans BioShock 2. Alors du coup on pouvait voir que les protecteurs avaient des genres de gros boulons au bras, mais bon c'était pas. Ce n'était pas très ouf. Nous avons nos premiers videurs, donc ceci est un des protecteurs qu'on voit. Alors si vous avez regardé la toute première VOD que nous voyons dans la toute première VOD qui répare une vitre, enfin pas une vitre, qui répare un poteau dans un couloir. Du coup c'était ceci, les premiers concept art. On peut voir ici également d'autres concept art, donc ici c'est un chrosome. Donc on peut voir à quoi donc franchement je préfère les chrosomes de maintenant. Hein. Ici c'était un protecteur également, les esquisses protecteurs, donc il c'est vraiment plus humain. Hommes que là maintenant les protecteurs ça fait vraiment gros badass et ça c'était les grosses brutes. Alors c'était le tout premier chrosome créé par Irrational Games et du coup c'était l'un des chrosomes qu'on voyait dans la démo qui s'appelait Squishy. Vous pouvez, avec un beau gros fusil hein, vous pouvez voir qu'il est tout attachant mais franchement heureusement qu'on l'a pas eu hein, parce que la vache. Ici d'autres esquisses des chrosomes. Là je trouve que ça fait un peu plus. Ça fait vraiment modification génétique, mais ça fait vraiment trop monstre alien. Là, bon là, ça fait ouais. Donc un autre esquisse. C'était un renforcé scénario de la loi, ça a joué. Tenez la substance puis c'est externe. Et injecté, nous allons chercher. C'est injecté de façon mécanique. Du coup voilà, donc en gros il nous explique que c'était un ébauche de chrosome qui s'injectait de la dent en continu. Mais franchement c'est beaucoup mieux niveau histoire, je pense. Enfin ils ont bien fait je trouve de continuer l'histoire comme une petite drogue effectuée par les riches. Ici d'autres concept art. Donc, premier, lui je le trouve pas mal avec l'encre dans le bras. Je trouve que c'est pas mal. Les petits protecteurs. Oula, je n'avais pas vu lui. Chrosome grenadier. En effet.
Les transformer pour pouvoir sur des grenades géantes et vous les balancer suivant que le graphique, ce modèle a été créé au-dessus de texture. Il n'a jamais été animé. Ah bah. Mais ça fait vraiment gros gros monstre. Ça fait pas du tout Rapture en mode. Bah là aussi c'est pareil, en mode de, on va dire, havre de paix. Le hooker. Donc ça devait être le chrosome. Les voilà les chrosomes plafonniers. L'esquisse du chrosome plafonnier, ça fait vraiment Hellraiser hein, comme on va dire design. Hein. Je sais pas si vous avez vu les films d'horreur Hellraiser, mais lâche. Vous regardez le film, vous voyez ces modèles, c'est ça. Hein. Sinon, par contre, les images ici, elles sont magnifiques. C'était quoi, esquisse de protecteur encore? On peut voir les changements. Les sous-marins, ah oui, de la baie sous-marine où on arrive avec les bathysphères. Oh. Alors lui par contre, le chaînon manquant. On peut construire des chrosomes humains quand on entraîne un peu le choc. Dernière mauvaise idée, attention. Donc voilà, comme je disais, ils ont bien fait de prendre des humains parce que ben on peut s'identifier à eux, juste des humains qui ont mal tourné. Alors ça par contre, première ébauche du protecteur avec une, ouais, ça fait vraiment ça fait Cyberman de Doctor Who. Oula, qu'est-ce que c'est ça, créature. Le choc à l'unité travaille encore sur SWAT 4. Alors une cité sous-marine, des expériences biologiques, c'est pourquoi ces ébauches sont centrées sur cette thème. D'accord, donc en fait à la base BioShock ça devait être juste une cité sous-marine avec des... C'est un jeu d'horreur, quoi. C'est pas du tout le jeu qu'on a comme maintenant. Et voilà notre dernier chrosome type Hellraiser. Yam End. D'accord. D'accord, oui, ça fait vraiment... Ils devaient bien s'amuser, je pense, les graphistes dans les Rational Games, parce que la lâche, ils devaient se passer des bons petits week-ends à regarder des films d'horreur. Et c'est bon, Michel, lundi j'ai trouvé l'idée. Ah, les emblématiques de Rapture. Ah, c'est vrai que. Surtout que Rapture, oui, c'est très centré sur la mythologie grecque. Vous avez dû le comprendre. Et du coup, voilà le musée. Vie marine. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y avait les baleines et autres. Donc voilà à peu près les concept art qui étaient abandonnés par Irrational Game. Donc du coup, voilà. Nous allons pouvoir sortir d'ici. Alors de mémoire, on peut pas passer. Hein. Je veux sortir. Hop, quitter. Vers le menu principal. Donc du coup je vais pas recommencer le jeu. Hein. Je pense que c'était bon. Et du coup ben on va s'arrêter là je pense. On a été bon. J'étais rapide hein, quand même. J'aurais pu continuer. Hein. Poum poum poum. Hey, quand même j'ai fini le jeu en une heure. Enfin les deux niveaux en une heure. J'aurais pensé un peu plus. Bon après le boss hein, vous avez vu le boss est vraiment mais pas du tout compliqué et encore j'ai fait j'ai été plus gêné par les chrosomes que par le boss hein. Et encore là ça j'ai pris que l'arbalète, j'aurais pu tenter le lance-flamme ou autre hein, ça aurait été un peu plus rapide je pense, mais bon on a joué le jeu et ben voilà c'était Draken sur Ivason Studio. C'est ici que je vais vous laisser. N'oubliez pas de suivre notre chaîne bah, sur Twitch déjà, comme ça vous pourrez être informé par mail de nos prochains streams. Suivez Ivason Studio sur nos réseaux sociaux également. Twitch, j'ai déjà dit Twitch. Twitter, Facebook, Instagram. Rejoignez-nous sur Discord, vous aurez également les notifs. Je vous dis une bonne soirée, cordialement. Bisous. Prochain stream mercredi.
si je ne dis pas de bêtises, ce sera Yakipon sur Skull. Je dis peut-être des bêtises, tu vas peut-être m'arrêter, Yakipon. Non, j'ai dit des bêtises, ce ne sera pas Yakipon sur Skull, ce sera Jake sur Metroid Dread. Mea culpa, messieurs et dames, bien évidemment. Donc, on se retrouve mercredi 20 octobre pour Metroid Dread. Mercredi, non, t'inquiète pas, Yaki. Je vais regarder le planning. J'ai du mal avec le planning. Et quant à nous, on se retrouvera mercredi soir pour la planète au trésor, la bataille de Procyon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Cordialement, bisous. Ciao, ciao.